Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Le ciel et la terre, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Le ciel et la terre, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Jésus est pour moi, alléluia, yeah. Dieu puissant, prince de la vie, alléluia. À lui à jamais, merveilleux et mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Je sais qu'il est merveilleux, je sais. Il est merveilleux, mon Jésus, sauve et guérit, il me rend heureux. Oui, je sais, il est merveilleux, tout dit, il est merveilleux, oh, mon sauveur, tout dit, il est merveilleux, mon sauveur. Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous pour lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 46. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 46. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole de Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il faut y faire entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans
l'Éternel est là. Notre Père Céleste, notre Dieu, notre souverain bien et notre Maître, nous tenons avec beaucoup de reconnaissance devant ton trône de grâce et de miséricorde, réalisant combien tu es vraiment merveilleux et précieux, Père. Et comme la Bible nous fait comprendre, Seigneur Jésus-Christ, tu es riche en miséricorde, lent à la colère et compatissant. Merci pour cette grâce que tu nous as témoignée encore ce matin, d'être compté parmi ton peuple, mon béni, Père Saint-Dieu, de nous tenir ici en tant que ton peuple à toi, d'un seul cœur, Père du puissant Dieu, et ayant le même désir, mon béni, Père Saint, pour te glorifier et t'adorer encore en cette journée, Seigneur. Nous sommes à toi et nous réalisons combien cela t'a coûté le rachat de nos âmes, mon béni, Père Saint-Dieu, a crié avec des douleurs, mon béni, Père Saint, tu as versé ton sang pour qu'aujourd'hui nous puissions être un peuple libre. Et nous le sommes, Père. C'est pourquoi nous nous tenons encore en ces lieux avec beaucoup de reconnaissance à ton endroit pour pouvoir te remercier pour ce que tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu, et aussi avoir ce désir de pouvoir vraiment te servir, oh Dieu, jusqu'à la fin de nos jours. Merci, Père Saint, nous te disons merci encore pour ce peuple qui est à toi, que tu as rassemblé aussi, Père, et qui a chanté des chants de Sion pour ta gloire, qui s'est réjoui aussi de ta présence aussi, mon béni, Père Saint-Dieu, réalisant que tu es toujours vivant et aussi le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni encore pour ta présence, mon béni, Père Saint-Dieu, qui nous console, mon Seigneur Jésus, parce que c'est quand tu es là que nous sommes vraiment aussi consolés, fortifiés par ton puissant Dieu et que tu nous donnes aussi la force de continuer encore la marche, mon Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci aussi, Père. Oh Dieu, tu connais nos faiblesses, Père du Bissant Dieu, nos infidélités. Tu es le Dieu qui pardonne aussi nos iniquités, Père du Bissant Dieu, que nous accorde la grâce, voire être aussi sanctifié, Seigneur. Rends-nous semblables à toi parce que nous voulons te servir comme tu le veux, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci aussi pour le psaume. Merci aussi pour l'adoration, aussi que les prières qui sont montées devant ton trône de grâce. Nous pensons et nous prions aussi pour nos précieux frères et sœurs qui sont dans différents pays. Oh Dieu, à chaque endroit, à chaque lieu où il se trouve, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qu'il soit vraiment béni, Père. Et aussi, malade, mon bénémoine Père Tibissant, nous savons que tu es vraiment la guérison. Oh, lorsque nous t'avons toi, toutes choses deviennent possibles, Père. C'est pourquoi je te prie encore ce matin de guérir ton peuple, Père. Oh Dieu, que tous les malades soient guéris partout où ils sont, en ton nom, Seigneur Jésus. Et prends le contrôle, Père, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Il est aussi le maître, les conducteurs et les chefs. Comme nous le chantons aussi, notre chef et maître, c'est le roi des rois. Il est le guide de notre âme, de notre vie aussi. Il nous éclaire en tout temps. C'est aussi notre chemin. Et comme il a dit, je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Que son Saint-Nom soit béni. Et qu'il bénisse aussi chacun de vous. Et c'est aussi une grande joie pour moi et pour tous, je pense, de pouvoir aussi vous avoir aussi ce matin. C'est lieu et je crois que nous attendions et nous pensions que nous pouvions avoir aussi ce moment aussi comme un temps pour la communion fraternelle en ces jours. Mais vous avez eu à pouvoir réaliser que c'est reporté parce qu'il y a eu des circonstances aussi pour nos frères et sœurs aussi qui avaient aussi le désir de pouvoir venir ici. Et comme nous disons aussi que c'est la communion fraternelle, nous voudrions avoir la grâce de pouvoir se nous retrouver aussi ensemble. Et les circonstances ont fait qu'effectivement que nous avons trouvé aussi des difficultés logistiques aussi également qui se sont ajoutées. Mais toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Nous remercions Dieu pour tout et nous le glorifions parce que je crois aussi que ce sera aussi une occasion pour nous de nous préparer encore à nous retrouver ensemble avec tous les bien-aimés, frères et sœurs que Dieu nous a accordé la grâce d'avoir. C'est pour ça, si cela a causé des soucis aux uns comme aux autres, en tout cas je vous demande pardon. Que le Seigneur vous bénisse pour cela, parce que certainement les programmes vous avez fait d'une certaine manière en rapport avec tout cela. Ça a dû probablement déranger dans vos programmes. Mais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu pour son amour et sa grâce à un autre endroit. Jamais nous ne serons
vraiment reconnaissants à ces dieux. Nous marchons avec Dieu et ce Seigneur, nous ne le connaissons pas vraiment. Nous sommes heureux parce que, au fur et à mesure que nous marchons avec lui, il se laisse aussi voir aussi, se révéler aussi à nous, afin que nous le connaissions vraiment dans la puissance de sa résurrection et que nous le servions certainement comme lui il veut. C'est pour ça que nous lui disons merci de pouvoir vraiment prendre le temps qu'il peut prendre effectivement pour que nous puissions être éclairés de plus en plus et que nous puissions nous tenir aussi dans une position telle que ça lui plaise effectivement de pouvoir prendre plaisir d'être avec nous. Parce que le Seigneur veut marcher avec un peuple qui est obéissant. Comme vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, lorsqu'il a dit à Moïse, écarte-toi, effectivement, je vais détruire ce peuple, effectivement, et parce que c'est un peuple au cou raide. Il murmure tout le temps, il respecte tout le temps ainsi, malgré qu'ils ont vu, effectivement, aussi ce que moi j'ai eu à pouvoir aussi faire et pendant la marche, effectivement, dans le désert. Mais Moïse s'est donc interposé, il a donc prié le Seigneur et lui implora la grâce, effectivement, pour lui montrer sa richesse, effectivement, d'être miséricordieux dans la colère et riche en bonté. Et puis lui rappelant, effectivement, aussi la promesse qu'il avait faite donc à Abraham, à Isaac et aussi à Jacob. Il dit à Abraham, effectivement, que je ferai sortir ce peuple, ta postérité à toi, et je les conduirai dans le pays où coule le lait et le miel. Il dit, Seigneur, tu es toujours un Dieu qui tient à tes promesses. Puisque nous l'avons vu, si tu ne pouvais pas les tenir, tu ne serais jamais venu pour faire sortir ce peuple. Alors souviens-toi de ce que tu as eu à pouvoir dire et aussi ce que tu as fait comme promesse. Alors, que diront donc les nations qui sont autour? Après avoir déployé ta puissance ainsi, ils diront que ces dieux étaient incapables de pouvoir arriver à mener son peuple donc à destination. Mais tu n'es pas incapable. Tu es capable de pouvoir faire l'impossible. C'est pour ça, Seigneur, oh Dieu, aie miséricorde et compassion de ton peuple. Souviens-toi que c'est ton peuple à toi. Et cela a apaisé la colère de Dieu. Et il a continué à marcher donc avec ce peuple. Il est, c'est Dieu, comme nous pouvons le voir, miséricordieux. Et il a toujours dit, je n'aime pas la mort du pécheur. C'est pour ça qu'il nous fait part, effectivement, aussi, que la volonté de Dieu, que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Et qu'ils soient donc sauvés. Parce que Dieu ne peut pas créer pour détruire. Il crée, effectivement. Cette pensée doit être, effectivement, constamment dans le croyant. De réaliser que le Dieu qu'il invoque de tout son cœur, ce Dieu ne pourra jamais vouloir un malheur pour son peuple. C'est que c'est Dieu, c'est qu'il désire effectivement ce que son peuple, comme cela est dit aussi dans le livre de Jean, je crois, Jean dit, mais je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est le désir de Dieu. C'est qu'effectivement que tu sois en bonne santé. C'est pour ça que quand la maladie est venue, il est devenu ta guérison. Et quand la mort est venue, il est devenu ton sauveur. Toujours, en fait, il a une façon de pouvoir nous montrer. Mais parfois, nous ne nous voyons pas tellement très bien, nous ne regardons pas tellement de la bonne manière. Mais il a nous montré, effectivement, ce qu'il a eu à pouvoir avoir, effectivement, comme désirs et volontés pour chacun de nous tous. Et alors, quand on peut arriver à pouvoir réaliser que nous sommes dans ce... L'Écriture dit, ce qu'il a connu d'avance, c'est que nous sommes là, et c'est lui qui a voulu que nous soyons là, dans ceux-là, alors nous pouvons réaliser combien il nous a aimés. L'amour de Dieu, comme on peut le chanter, on dit l'amour de Dieu, et, vous savez, incomparable, on ne peut pas arriver à pouvoir effectivement aussi les quantifier, mais nous réalisons que vraiment Dieu nous a aimés. Si nous pouvons comprendre cela aussi, eh ben, nous aussi, à notre tour, nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme.
Nous lirons dans le livre de Romains, au chapitre 8. Nous pouvons le lire, Romains, au chapitre 8. Donc je pense que c'est Romains au chapitre 9. Oui, c'est ça. Romains, au chapitre 8, nous lirons à partir du verset 22-23. Et que dire donc si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience de vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers de vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons devant ton trône de grâce et miséricorde pour te dire merci. Merci parce que tu es vivant et aujourd'hui encore, tu nous soutiens. Aujourd'hui encore, tu nous conduis. Aujourd'hui encore, tu nous montres effectivement que tu veilles sur chacun de nos personnes, oh Dieu, et que réellement que ta volonté parfaite, oh Dieu, doit vraiment s'accomplir. Tu veilles sur ceux-là que tu t'es choisi, que tu as mis donc à part, Père Dieu. Et nous réalisons combien tu es celui qui prend soin vraiment d'une manière tout à fait particulière de ceux qui sont à toi. Parfois, nous ne réalisons pas cela et nous ne voyons pas effectivement aussi ce que toi, tu es en train de pouvoir faire pour nous. C'est vrai, parfois, ça nous est caché à nos yeux, mais tu fais ton travail d'une manière tout à fait particulière, mon Sauveur. Je te remercie pour mon frère, je te remercie aussi pour ma sœur, je te remercie aussi pour tous ces enfants que tu nous as accordé la grâce de pouvoir avoir. Je te remercie aussi pour le bien que tu nous prodigues en tout instant, Père Saint-Dieu, parce que réellement, tu es vraiment notre Père et tu prends soin de ceux qui sont à toi. Nous nous réjouissons, bien-aimé Père Saint-Dieu, de ta grande volonté, ce que tu manifestes à notre endroit, Père Saint-Dieu, de tes grandes compassions aussi, Père Saint-Dieu, et ton amour qui est si grand à l'endroit de chacun de nous. Père, tu nous as visités pendant les chants. Nous te disons merci parce que tu es vraiment présent. Maintenant, donne-nous aussi la discipline, le respect, Père Saint-Dieu, et que nous puissions avoir le cœur bien disposé, l'esprit bien disposé, à pouvoir vraiment aussi t'entendre, Père. Viens-moi en aide, j'ai vraiment besoin de toi encore aujourd'hui, c'est vrai, Père. Souviens-toi, dans ta grande miséricorde, Père Dieu, accorde-moi cette grâce. Nous voulons t'entendre, Père, et nous parler. Bénis ton peuple, bénis-nous chacun de nous, Père Dieu. Oh Dieu, que tu puisses toi-même prendre le contrôle à cet instant, afin que oh, nous soyons vraiment soumis à toi. Sois béni et sois glorifié. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous venons de lire dans les livres de Romains, où il parle effectivement de ce privilège, de cette grâce, effectivement, en rapport avec l'élection que Dieu a eu à pouvoir manifester à l'endroit de ceux que lui, il a eu à pouvoir connaître. Et dans cela, effectivement, on ne fait pas qu'effectivement, cela ne dépend pas de toi ou de moi, de celui qui veut ou qui court, effectivement, parce que on nous donne l'image, effectivement, de ces deux enfants qui étaient donc dans le sein de Rebecca, avant que l'un ou l'autre ait fait bien ou mal, effectivement. Et Dieu lui-même a eu à pouvoir faire le choix, alors qu'ils étaient donc dans le sein de leur mère. Donc, effectivement, que quand ils sont donc sortis, en réalité, qu'il a lui-même dit à Rebecca que ils sont donc des nations qui sont donc dans ton sein, et puis il a dit que j'ai donc aimé Jacob, mais j'ai de la haine pour Ésaü. Donc c'est ce choix que Dieu a eu à pouvoir faire. Et quand on voit cela, effectivement, ce que nous reconnaissons maintenant, véritablement, que Dieu est omniscient et qu'il voit vraiment aussi la chose, la fin de la chose avant qu'elle ne commence même. Et parce que quand on regarde un peu les Écritures, effectivement, quand il a eu à pouvoir déclarer, parce qu'il dit, c'est, en fait, ça dépend ni de celui qui veut, qui court, effectivement, et il nous montre, effectivement, là, nous pouvons voir, c'est dans verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont donc enfants de Dieu, mais ce sont donc les enfants de la promesse qui sont donc regardés comme la postérité. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez encore?
Voici en effet la parole. Venant donc avec Agar, avec aussi. Non, non, non. Voici donc en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut dit ainsi à de Rebecca qui conçut effectivement du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent pas encore, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, vous comprenez ça? Le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera sujettu au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï donc Ésaü. Donc effectivement, que avant même qu'il n'ait posé un acte, Dieu a eu à pouvoir faire en fait son choix. Comme on a dit, enfin, que le dessein d'élection de Dieu, donc l'élection de Dieu, puisse subsister. Donc Dieu a démontré qu'effectivement, qu'il était donc le Dieu qui voit le futur, en fait. Alors, quand il a exprimé que j'ai aimé Jacob, j'ai eu de la haine pour Ésaü, ainsi de suite, effectivement, nous l'avons vu dans leur croissance. Quand les deux donc sont sortis. Alors on peut s'asseoir et regarder, admirer Dieu et dire, mais Seigneur, tu es vraiment sage. Tu es vraiment Dieu. Alors nul ne peut arriver à pouvoir effectivement changer ce que toi tu as dit. Parce que ses enfants n'étaient pas encore nés effectivement. Et quand il a dit cela, mais vous savez très bien qu'effectivement que c'était donc après donc la chute, c'était pas avant la chute. Vous me suivez? C'était donc après la chute. Donc le diable, ses démons, ses esprits, effectivement, ont pris le contrôle de l'homme. Vous suivez? Donc effectivement, Satan a dominé puisqu'il voulait devenir comme cela. Il a donné son Éden, effectivement. Jean, sa façon de voir, enfin, effectivement, et c'est comme cela qu'on est donc arrivé à ce que vous croyez, vous voyez effectivement comment c'est arrivé. Donc c'est-à-dire que c'est là pour comprendre que il a dit que j'ai aimé Jacob, j'ai eu de la haine pour Ésaü. Donc l'aîné donc sera assujetti donc au plus jeune. C'est-à-dire que le diable a entendu parce qu'il a parlé. Alors, s'il était tellement tout-puissant, il pouvait dire que je veux prouver aux gens que ce que Dieu a dit ici ne pourra jamais arriver. Ah oui, parce que il pouvait, parce que vous savez, frères et sœurs, pour que vous puissiez bien comprendre les choses, le diable influence la vie des gens. Oui. Parce que le monde dans lequel vous êtes ici, vous êtes entouré par beaucoup de choses, effectivement. On peut prendre des lois, on peut faire des choses, effectivement, pour que beaucoup de choses puissent influencer votre vie et que ça change. C'est ce qui se passe. Donc, il pouvait aussi dire, bon, maintenant, je vais influencer tout un, vous savez, que ce soit les circonstances dans la vie, le ceci, parce qu'il peut faire cela, hein, en poussant les gens à faire ceci, ceci, cela, vous comprenez? Et je peux donc changer pour que Ésaü devienne bon et que Jacob devienne mauvais. Mais il a fait, il essayait cela, bien sûr. Donc Ésaü, qu'il soit vraiment bon, que maintenant on voit que vraiment, ah non, Dieu s'était trompé. Mais nous voyons que même la nature. Donc tout autour, c'est pour dire que Dieu a le contrôle des événements. Faites confiance au Seigneur et vous réussirez, mon frère. Alléluia! Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est pourquoi on vous dit, n'ayez pas peur. On va faire ceci, on va faire cela, ça va. N'ayez pas peur, frère. Vous êtes au-dessus. Oui, monsieur, oui, madame. C'est vrai, frère, que Dieu nous accorde la grâce de voir ce que nous sommes. Et ce que Dieu est capable de faire pour nous. Alors, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais on a vu qu'effectivement, que non, quand Dieu a dit, la chose doit s'accomplir exactement comme il a déclaré. Alors, c'est pour ça qu'on voyait que, ils ne comprenaient pas, mais Jacob, depuis qu'il est né, il est toujours attaché à sa mère. On lui dit, mais c'est pas possible, mais bouge-toi un peu. Nous, on le pousse un peu, il revient dans les jupes de sa maman. Oui, c'est extraordinaire.
Ésaü était là, autour de son papa, des choses comme ceci. Vous comprenez effectivement ce qu'il en était, effectivement, donc avec le projet, comment les papas. Le diable, il est quand même rusé. Hein? Ouais. Il avait fait tout pour que la promesse de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Il a travaillé dans Ésaü, effectivement, pour faire les petits pots avec son père, effectivement. Parce que le papa aimait la cuisson d'Ésaü. Vous ne vous souvenez pas? Ah, j'espère que vous n'êtes pas en train de dormir. Pour que vous voyez les choses comme il faut voir. Et voilà que Ésaü était là, chasseur et tout ça. Mon papa aime bien manger. Je lui dis, qui dit? Pourquoi? Pour que le cœur de papa soit changé. Pour que, évidemment, hein, parce que quand vous regardez bien les choses, Dieu dit toujours des choses que quand vous les écoutez, vous dites, mais c'est quand même pas possible. Là. Dans une situation dans laquelle le somme dit, il dit une parole comme ça, mais qui montre que toutes les circonstances montrent effectivement que ça peut pas être comme cela. Hein, tout est sombre devant nous et tu dis que nous avons la lumière. C'est pas possible. Et puis on a bien vu naturellement, c'est important ça, qu'ils sont nés, celui-ci est né. Comment est-ce que l'aîné peut être assujetti au petit? On n'a jamais vu ça. Donc les choses naturelles nous montrent effectivement que ce que Dieu a dit est un contraste avec les choses que nous voyons. C'est toujours comme ça. Dieu ne peut pas aller dans le sens de la logique, sinon vous serez la foi. Nous devons être armés, frères, de savoir qu'effectivement, parce que les problèmes que nous avons, c'est ce que le diable aussi sait, que nous avons beaucoup de faiblesses au niveau de la foi. Nous sommes trop influencés par les visions, en fait. Ah, pardon, par ce que nous voyons. Et parce que le monde nous fait entendre aussi que cela. Et plus, effectivement, nous entendons, parce que comme on matraque tous les jours, la foi faiblit. On dit, ah, qu'est-ce qui va encore passer? On n'a plus confiance, effectivement, donc on commence à pouvoir maintenant aussi trembler. Comme chose. Alors, c'est comme ça qu'on pouvait arriver à pouvoir voir, en fait, les cas de Jacob et Ésaü. Et puis, voyez bien comment aussi le diable a travaillé. Ces bonhommes étaient trop bons pour faire ce qui fait de bien pour le papa, ceci et cela, parce que c'est le papa qui devait bénir. Ah, le cœur de papa commence à flancher. Alors quand on regardait cela, on dit ce que Dieu a dit est impossible d'arriver. Non, il est Dieu. Nous lui devons du respect, mon frère et ma soeur. Dans tout ce que nous faisons, on doit avoir du respect. Savoir que ce Dieu-là, il ne peut pas changer sa parole, ni pour toi, ni pour... Non. Elle est comme il a dit et va s'accomplir. Alors maintenant, si moi je ne crois pas, Dieu ne va pas s'inquiéter. Non, il ne va pas s'inquiéter. Il est sûr et certain ici. Le problème pour lui, c'est comme le châtaignier romain, là, je pense que c'est là. Il dit, vous suivez? Vous êtes là? Dis simplement un mot. Si toi tu dis un mot, je suis tranquille. Je rentre chez moi, que Dieu te bénisse. Je rentre chez moi, je dors tranquille. Parce que tu l'as dit, c'est terminé. Je sais que la chose s'accomplira. C'est l'attitude que vous et moi, nous devions avoir. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des conquérants. C'est plus qu'on nous dit, non, que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, telle est notre devise. Après toi, à la croix, t'acquise. Est-ce que vous entendez? Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si vous dormez, mais on dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors si nous sommes plus que vainqueurs, nous devons quand même pouvoir nous positionner pour savoir à quel moment nous avons eu cette victoire. Parce que c'est vrai que bon, nous chantons, nous le disons, nous répétons, vous me regardez. Hein, on sent bien que dans l'intérieur, ça passe pas bien. Que Dieu te bénisse. J'aime bien ma soeur. Elle est toujours sincère. Et c'est la vérité en plus. Que Dieu te bénisse, franchement.
C'est pas toujours très bien, on chante, hein, jusqu'à ce pas, est-ce qu'on a vraiment la victoire? C'est ça le problème. Et les diables, ils dansent bien. Ils disent, ils sont ignorants, ils chantent plus que 24 devises, mais ils ne sont pas là. Ils ne croient pas cela. Ils sont toujours là. Ah, j'ai des problèmes qui m'attendent. Mais vous ne vous rendez pas compte. C'est ça le grand problème. Allô? Nous sommes là. Et alors, Esaü préparait bien les choses pour son père. Et son père était tellement très content. Jacob était toujours assis avec sa maman. Alors, on s'est dit, mais ça, c'était un fils à maman. En plus, il est toujours là. Et puis, Jacob, il fait des efforts là-bas. Esaü, pardon, il fait des efforts là-bas. Il va montrer. Et c'est ici, cela. Papa, content, content, content. On va mettre aïe, aïe, aïe. Donc, en plus, il est l'aîné. Parce que l'aîné, c'est la force du père. Il est ici l'héritier. Vous le savez, non? Ne me regardez pas comme ça. La prémisse, c'est sûr, non? C'est bien l'aîné. Et papa, il attend que l'aîné soit fort. Parce qu'il va prendre la responsabilité de la famille. Et alors, qui était l'aîné? C'était Esaü. Et la maman avait les secrets. Rebecca qui avait consulté l'Éternel. Amen. Toujours consulter l'Éternel. Ah, j'aime des sœurs comme ça. Elle ne parle pas, mais elle regarde. Elle sait que Dieu lui a dit. Elle est tranquille. Et là, pendant qu'Esaü faisait des efforts et tout ça, et Jacob était toujours là, à côté de la maman qui avait eu la révélation, la réponse. Oui, c'est ça, oui. Et voilà que... Le temps arriva, le papa dit, ah, je voudrais manger vraiment un bon gibier de toi, là, Esaü, mon fils, parce que je crois que maintenant, mon temps arrive. Et je voudrais donc... Mais pendant que Esaü vivait, faisait du bien là, il allait toujours gabander dehors. Il n'était pas dans les territoires. C'est ça le problème. Ah, les signes. Mais tandis que Jacob était toujours dedans. Il n'est pas allé à l'extérieur, il était toujours dedans. À côté de qui? Maman. Ah là 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 là. Pécation. Et puis, les yeux du papa. Ah, le diable fait son travail, mais la parole de Dieu fait la sienne. Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon dans son travail. C'est pourquoi soyez sans crainte tous les jours de votre vie. Et puis on nous dit aussi quelque part dans les Saintes Écritures que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Parce qu'elles sont encore. Ah, j'ai pas bien entendu. Amen. Que Dieu te bénisse, la sœur qui a dit Amen. Là. Ah, ça, c'est venu après. C'est la vérité, non? Les justes ne craignent pas les mauvaises nouvelles, car son cœur est affermi. Il a l'assurance que son Dieu est là. Et c'est la vérité, ça. Parce qu'on nous dit toujours, pourquoi on dit Amen aussi, que toutes choses concourent pour les biens de ceux qui aiment l'Éternel. Aussi longtemps que le Seigneur est mon appui, et que je marche avec lui, peu m'importe la nouvelle qui peut venir, je sais qu'il me tiendra. C'est pour ça qu'on dit bien les justes. Hein? Parce que, il a dit, mon juste ne vivra pas. Ah, voilà la différence. Donc, si la nouvelle vient, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il sait très bien que Dieu a un plan. Mais c'est pour ça que nous sommes des conquérants. C'est pour ça que nous avons la victoire. Si tu es conquérant, tu as la victoire. Tu dois trembler à chaque nouvelle. Non. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Donc, peu importe que la nouvelle vienne hein, aujourd'hui. Si, juste un petit peu, puis nous revenons David. Pour que vous puissiez voir aussi, je ne sais pas comment, je parle, que Dieu m'aide, que vous puissiez comprendre. Les trois Hébreux croyants. La nouvelle était la pire, la plus mauvaise. Le monde entier pliait les genoux devant avec les sympathies et tout ça. Les trois Hébreux croyants. Ils voyaient avec leurs yeux normaux ici la fournaise qui chauffait. Vous comprenez?
La fournaise. On a même parlé dans le Nouveau Testament, hein. La fournaise qui est au milieu de vous. Oui, c'était grisard. Donc la fournaise qui chauffait aussi, ils avaient vu la fournaise. Mais chauffer vraiment cette fois. Des hommes. Ils ont dit, ah non, roi, s'il vous plaît, on comprend. Maintenant, on va obéir. On va... Et puis, même, il a même dit, ah, obéissez à vos... Tu vas sortir des versets. Vous comprenez? Donc, en tout cas, non, il dit, sache au roi, nous t'aimons. Nous te respectons, mais quand il s'agit de ça, ah non, notre Dieu, ils l'ont bien dit, hein, notre Dieu est capable. Parce que quand il peut, là, ça veut dire qu'il a la capacité, la puissance, notre Dieu a la capacité de nous délivrer. On n'a pas peur de la fournaise. Si tu veux même nous jeter dans la fournaise, eh bien jette-nous. La fournaise était déterminée. Ah oui, ils avaient foi en Dieu. Et puis, on les a jetés dans la fournaise, ils sont tombés dedans. Leurs vêtements ne se sont pas brûlés. Frère, même dans les temps dans lesquels nous sommes, peu importe ce qu'il en est, mais ton Dieu à toi ne t'abandonnera pas. D'ailleurs, il te le dit, quand tu traverseras les eaux, ils ne vont pas te submerger. Même la flamme. Bien sûr, nous devons savoir que nous sommes plus que vainqueurs. C'est que nous tenons par la foi. C'est notre foi qui triomphe de ce monde. Ce ne sont pas des discours que vous devez vous asseoir là à entendre, mais c'est la parole de votre Dieu. Et c'est ce Dieu qui s'adresse à vous. Passez dans la Bible. C'est la parole de Dieu, parce que vous êtes en train de voir me regarder là, pour qu'après vous venez dire, ah frère, j'ai un problème. Non, mais Dieu te parle. Écoute, c'est Dieu. Tu as un problème d'un dossier. Il règle les dossiers. Il faut que vous sachiez que votre Dieu est vivant. S'il est vivant, c'est-à-dire qu'il agit. Il est vivant, mais c'est pour toi qu'il est ressuscité. Pour toi qu'il a ressuscité. Mais bien sûr, la Bible dit qu'il est ressuscité pour notre justification. Pas du monde, mais nous à nous. Parce que c'est pour ça qu'il n'a pas apparu à des Sanhédrins, à tout ça. C'était pas son problème, les Sanhédrins. Mais aux élus d'avance, à ceux que... Bien sûr, il faut comprendre qu'il est ressuscité pour moi. Et puis pour que je sois heureux, savoir que mon Dieu à moi, il est vivant. Il était mort, je suis vivant. Il n'a pas été voir Pilate pour dire, j'étais mort, je suis vivant aussi. Non, c'est à toi. Parce que Pilate va commencer à te regarder, oh, cet homme ici, je frappe, mais il est toujours heureux. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que lui, Pilate, bien, bonjour, c'est moi. Je dis, moi, Caïphe, lui, par exemple. Bon, Pilate, ça va encore. Caïphe, lui. Ah oui, Pilate, ça va encore. Il sait quand même chercher le moyen, je ne sais pas toi. Bon, là, mais Caïphe, non. Il l'a fait même gifler. Caïphe, vous savez. Il pouvait aller pour voir Caïphe, tu m'as fait gifler, non? Je suis vivant. Non, toi qui as pleuré. Toi qui l'as aimé, il veut pour te consoler. Vous avez remarqué, non? Vous avez remarqué quand même. Regardez à qui il est apparu sur le chemin d'Emmaüs, sous ses disciples qui étaient tristes. Mais pourquoi vous êtes, de quoi vous êtes pour être si triste? Parce qu'il a dit que tu étais triste. Il dit, je suis venu te montrer que je suis vivant. Pour que tu prennes courage. Alors, frère, ne soyez pas comme des historiens qui me regardent, effectivement, qui voient comme cette histoire. Ah, quand je sors, je vais avoir encore des situations. Non. Je viens ici pour avoir les armes. Vous n'avez jamais remarqué que vraiment c'est une guerre. Mes frères et sœurs, mais c'est le monde qui vous combat. Vous n'avez pas lu dans Jean 15, mais si... Jean 17, nous allons le lire tout à l'heure, effectivement, dit, mais si c'est l'air de donner ta parole et qu'il les haït. Le monde les haït. Vous combattez avec le gouvernement qui prend des mesures à gauche et à droite. Il ne faut pas vraiment combattre. Faire. Non, on les dit, c'est sûr et certain. Tout ça, c'est contre vous. Vous me regardez, il faut lire les Saintes Écritures. Ne venez pas comme des touristes, venez comme des combattants. Bien sûr. Je suis en guerre, écoutez bien, j'étais au front, je vais prendre les munitions. Pour retourner au front. Oui, soyez comme ça,
Soldat de Christ. Ah non, 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 je viens prendre des munitions. Et puis je retourne au front, j'ai dit la main. Je vais les terrasser. Gloire à Dieu. C'est cela la raison de nos rassemblements, frère. C'est la vérité, mon frère. C'est la vérité, ma soeur. Tu ne dois pas rester dormir comme ça. Non, 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 non. Saisis l'arme. Prends des munitions. Engrange-toi. Dehors, maintenant, je suis fort. Et l'ennemi fuira. Il dit, mais c'est pas possible. Comment? Oui, mon frère. C'est ça que nous devons comprendre. Amen. Nous sommes des soldats de Christ. À celui qui vaincra. Donc, tu dois avoir l'arme nécessaire. Les diables montrent ceci. Vous n'avez pas remarqué, frère. Bien sûr, frères et sœurs. Et quand le diable, il change de cavalier, de couleur, eh ben, l'être vivant change. Il dit, mais c'est pas possible, je vais les tromper. Non, 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 Dieu est dans nos supérieurs. Donc on doit avoir étreinte, mais bien sûr. Bien sûr, on doit les avoir. Il pense qu'il vous a eu, Dieu vous donne plus. Il dit, mais comment j'arrive à vous vous souvenez en Israël, avec le roi de Syrie. Il était dans sa chambre. Ah, il faisait des plans. On va l'attaquer par ici, par là, par là, par là. Oh, il dit, moi, ils sauront rien. On va tous les détruire, effectivement. Et là-bas, Dieu prend son prophète. Il dit, hey, ne montez pas par là. Montez par ici. Vous le vaincrez. Et ils les ont vaincus. Et puis le roi de Syrie dit, mais qui est un traître parmi nous ici? Il nous dit, ah non, 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 roi, tout le monde obéit ici. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? En Israël, il y a un Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, mon frère. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Le monde ne vous vaincra pas, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Satan a été vaincu. Le monde aussi a été vaincu. Et nous sommes plus que vainqueurs. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est terminé, monsieur. C'est vrai, frère, ça. Ne dormez pas, ne soyez pas en tremblotant. Non, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Le peuple de Dieu, mon frère. Que Dieu soit béni. Nous devons nous recharger. Quand on sort, il dit, mais on ne peut pas les briser. On parle des trucs, on dit comme ça, ça ne faiblit pas. Non, ils sont toujours forts. Et qu'est-ce qui se passe, effectivement? Mais c'est leur Dieu qui combat. Donc c'est pour ça que nous devons être attentifs. Pas être là, venu simplement parce que, bon, par la présence, et puis après je pars. Non. Oui, ça. Parce que, dehors, les diables attendent. Il dit, ce sont des hommes. Mais ce que Dieu fait à votre intérieur, lui, ne le sait pas. Comme ça, oh, si vous pouviez simplement. Et puis, il dit, mais, oh, si vous pouviez être attentif à mes paroles, votre bien-être serait comme un fleuve. Vous prenez du temps pour pouvoir. Ça ne sert à rien. Soignons d'abord l'intérieur. Parce que nous prenons tout le temps pour l'extérieur, le diable se réjouit et nous sommes toujours affaiblis. Mais si nous soignons à l'intérieur, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Alors, sur le vivant, revenons ici. Alors, c'est comme cela que. Ah, Jacob, s'asseyant donc à côté de sa maman, et puis le papa dit, je vais manger, je voudrais vraiment, et puis il a dit, je voudrais manger pour moi que tu me fasses ce bon gibier là. Et puis moi je te bénirai. Alors quand papa dit ça, c'est la bénédiction de tout son cœur, et il s'accomplit. Ah. Alors, vous savez. Esaïe, lui, il dit quand d'agir, bon, je suis l'aîné, ça ne changera rien, je l'aurai. Mais avant cela, d'arriver à ce point-là, le petit Jacob, là, qui est assis à côté de sa maman, là, et toujours lui, dans sa tête, il savait qu'il a besoin de quelque chose. C'est ça un fils de Dieu. Pas rester dans le bas, toujours que Dieu te pousse dans le haut. Oui. Pas dans les défaites. Même si je vois que je commence à pouvoir. Ah, Seigneur, merci, ça, je ne peux pas rester là-dedans. Je dois monter au-dessus. Oui, il guettait donc. Il regardait, il voyait son frère. Et puis un jour, son frère était allé dans là pour chercher des jubilés. Il revient affamé. Ah là là. Ah.
Alors il avait faim. Et lui, il était assis, toujours avec sa maman. Avec les casseroles, il faisait son pot de dedans. Il a pris les lentilles, il a fait l'odeur, voilà. Je crois que la maman l'a montré comment on prépare. Parce qu'il ne pouvait pas arriver à pouvoir savoir faire les lentilles. Assieds-toi ici, Jacob, je t'apprends. Et puis quand Esaü est venu, parce qu'on voyait bien comment Esaü était avec ton papa, non? C'est sûr que ça n'allait pas manquer la bénédiction. Et l'odeur de la lentille, Dieu est grand. Il a fait en sorte que partout où il était parti, il ne trouve rien. Même pour le mettre dans sa bouche, hein, il trouvait alors meilleur qui fait que l'estomac commence à avoir faim. Il pouvait manger les arbres, mais il ne pouvait pas s'y retenir. Et là, quand il est venu, il a vu Jacob qui était. Et puis Dieu inspira Jacob. Si tu es là, pas loin. Et encore avec son. Dieu est bon, hein. Non. Puis, oh, le bonhomme, il vient. L'odeur de ça, il dit, en tout cas, moi, il dit, Jacob. Il dit, oui, Esaü, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux mourir, moi, il dit, tu veux mourir, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ton plat de lentilles, là. Il était vraiment sage, hein, il dit. Dieu est grand. Alors, il avait son plan. Et alors, il dit, je veux manger. Il dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Tu veux mon plat de lentilles? Il dit, oui, je veux ton plat de lentilles. Alors, mais il y a une condition. Il dit, je suis en train de mourir ici. Qu'est-ce que tu veux, toi, si encore plus de ça? La condition est celle-ci. Toi, Esaü, tu me vends. Non. En tout cas. Non, j'ai jamais entendu un homme qui pouvait marchander comme ça. Frère, mais en plus, là, vous n'avez jamais réfléchi. Mais il pouvait marchander. Moi, tu me vends ton gibier, bien donc ton gibier là. Moi, je passe les lentilles. Mais non, quelque chose qui. Pour tout le monde ici, mais c'est pas matériel, c'est pas échangeable quand même, hein. Il faut être un peu, pas normal. Mais non, il était normal. C'était la parole de Dieu qui était dans le travail de la personne. Vous savez que quand toi tu poses des actes, parfois je dis, mais comment est-ce possible? Mais en fait, c'est Dieu qui est derrière. Oui. Alors, maintenant, il dit, mais ma femme, il dit, bon, je vais te vendre quoi? Il dit, mais. Je ne peux pas regarder, mais je n'ai pas de gibier, je n'ai rien dit, mais ce n'est pas les gibiers dont je suis intéressé. Alors, quoi, à mon arc, je n'ai pas ton arc, je ne suis pas intéressé à ton arc. Mais quoi, je n'ai pas de vêtements, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Il dit, je veux ton droit d'aînesse, là. Je crois qu'Esaü a dit, mais ce garçon, il n'est pas intelligent. Mais c'est vrai. Donc, il me demande seulement mon droit d'aînesse. Et puis, ce droit ici, on l'a quand on est né les premiers. Et puis moi, je suis né le premier. Comment va-t-il prendre ce droit en question? Il dit vraiment. On voit, c'est pour ça qu'il reste dans les jambes de maman tout le temps. Il n'a rien compris. Nous sommes des hommes, mais lui, il est toujours avec maman. Il n'a rien compris. Petit comprenait très bien ce qu'il dit. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Oh frère, soyez comme Jacob, mon frère! On m'a demandé le fumigène de la terre et de mon essai. Il dit non. Moi, je veux autre chose, là. Je veux cette chose-là. Comme mon petit chou sur le monde, quand il vient, toujours il vient. Papi, j'ai dit oui, mon petit chou, moi, qu'est-ce qui se passe? Papi, j'ai dit oui, chou, qu'est-ce qu'il a dit? Papi, est-ce que tu n'as pas quelque chose que tu n'utilises pas là? Je vous dis la vérité. J'ai dit quoi? Oui. Quelque chose là, que toi tu n'utilises pas. C'est ce que j'ai besoin. Alors j'ai dit, mais quelque chose que moi je n'utilise pas. Et il est comme ça, toujours comme ça. Toujours quelque chose que tu n'utilises pas là. Et c'est ce que moi j'ai besoin, j'ai dit, tu vois. Quelque chose. J'ai beau lui, écoutez bien, frère, ça. J'ai beau lui donner tous les documents à la maison. Enfin, j'ai dit que toutes les boîtes que j'ai à la maison. Et puis tous les jours, il vient. Papi, donne-moi quelque chose que tu n'utilises pas. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois te donner pour que tu sois satisfait? Donc, tout ce que je lui donne. Il part avec, sa maman me dit, mais papa, faut pas faire ça parce que c'est moi qui deviens encombré. À la maison, il y a tout à, mais il veut toujours quelque chose que tu n'utilises pas. J'ai dit, quelque chose qu'ils n'utilisent pas. Solomon, c'est quoi?
Alors bon, bref, c'était comme vous dites que j'ai vu un cas comme ça. Alors lui dit, voilà que ce que je veux, c'est que tu me vends ton droit d'aînesse. Alors vous avez vu la réaction des Aïeux. Il dit, mais je suis en train de mourir de faim. Et toi, tu me demandes une chose comme ça pour me donner le plat des lentilles. Elle dit, oui, il n'y a pas autre chose. C'est cela que je veux. Que toi, tu me vends. Alors, c'est quoi, Isaïe, t'as dit, mais en tout cas, il a perdu la raison, ce garçon. C'est pas possible, ça. Il dit, non, je veux seulement que tu me vends ton droit d'aînesse. Et puis, il pouvait même dire, Isaïe pouvait dire que, bon, voilà, il n'est pas intelligent. D'abord, comment est-ce que moi, je peux lui vendre mon droit d'aînesse? C'est pas échangeable, frère et sœur, faites attention. C'est important. Il dit, c'est pas échangeable. Ça, c'est l'homme naturel. Vous vous souvenez, frère, comment aussi Nicodème a réfléchi? L'homme naturel, l'homme charnel, qui réfléchit toujours terre à terre. Mais Dieu veut que tu réfléchisses au-dessus de la réflexion des hommes. Ça vous évite des problèmes. Ça vous évitera beaucoup d'ennuis. Vous aurez toujours la paix. Je ne sais pas comment toujours Dieu me dit que Dieu nous aide. Et lui, terre à terre, il réfléchissait. L'homme là qui était en face de lui, Jacob, il n'était pas terre à terre. Parce que s'il était terre à terre, jamais il n'y aurait parlé de lui. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui doit se monnayer. C'est-à-dire que je donne, il me donne. Naturellement, je donne. Parce que, frère, les lentilles, c'était naturel. Comment tu peux me changer quelque chose de naturel avec ce qui est spirituel? Ça dépasse la compréhension de l'âme. Quand Dieu est dans la chose, oui, c'est à cela que l'homme que Dieu utilise, il agit tout à fait différemment. Et on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, un serviteur de Dieu qui est dans l'action de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez pas le comparer. Je sais que vous ne croyez pas, mais un jour, vous le comprendrez et vous croirez. Vous ne pouvez pas le comparer. Non, parce que Dieu peut se saisir de lui et agir avec lui d'une manière tout à fait différente qu'on peut imaginer. Mais c'est l'action de Dieu, en fait, dans la personne. Passer de naturel comme ça, à demander quelque chose de spirituel, on te prendra pour un fou. Mais c'était dans le plan de Dieu. Notre frère Daniel, vous le voyez qui est assis là. Vous connaissez, non? Le frère Daniel habitait au Mexique avec sa femme, avec ses enfants. Jamais ce frère-là n'a pu penser dans son esprit que moi, je veux aller un jour en Belgique. Je pense bien que c'est adorable. Il vivait là-bas, il travaillait là-bas. Mais les plans de Dieu. C'est quand même extra. Quand nous voyons Dieu dans l'action, parce que nous devons voir les choses de Dieu comme ça. Quand nous voyons Dieu, on dit, mais Seigneur, quelle sagesse, quelle façon. Parce que dans le plan de Dieu, dans le plan que Dieu avait vu dans le temps à venir, il avait vu ces Daniel-là assis là. Alléluia. Avec sa femme, oui monsieur, avec sa femme et ses enfants dans cette assemblée ici. Mais il était là-bas au Mexique, loin. Comment pouvait-il venir ici? Et voilà comment Dieu a suscité dans le cœur de la personne, puis de circonstances, pour que cette personne prenne son avion. Vous n'avez jamais remarqué, il est habité en province, il pouvait là-bas dire, voilà, je suis loin, et puis bon, je suis dans cette personne, parce qu'il y en a des gens qui sont parfois au son ici avec nous, mais on ne les voit presque plus. Mais Daniel, notre frère, avec sa femme, malgré que les situations difficiles, ils viennent de loin. Si vous racontez d'où ils viennent, vous savez, ils viennent de loin. Donc, toujours leurs efforts, c'est de voir des musidons, nous devons être à l'assemblée. Il me dit, parce que il dit, j'aime, il dit, mais quel cas est-ce que nous avons quand vous êtes venus nous visiter là-bas? Peut-être que j'étais parti pour. C'est ça.
Et bref, vous dites, mes frères, mais je ne pensais pas, mais je crois que c'est Dieu qui veut qu'il sache. Afin qu'il soit consolé, que sa venue en Belgique n'est pas un hasard. Avec sa famille et ses enfants. Et que c'est Dieu qui a voulu cela. Oui, c'est vrai. Que lui et sa famille viennent ici et qu'ils s'asseyent aussi dans cet endroit. Pour écouter la parole de Dieu et apprécier ce que notre Dieu fait dans sa vie, dans son âme. Et qu'il, maintenant, il sait que Dieu est en train de l'instruire. On ne voit pas bien. Dieu nous montre effectivement aussi que dans notre aujourd'hui, ici, il fait sa façon de pouvoir faire pour ses enfants. Il agit, il conduit, il fait. Chacun de vous ici doit avoir un témoignage pour être à cet endroit. Donc si vous réfléchissez très bien, vous pouvez vous dire, mais moi je ne devais pas être ici. Et comment je peux être ici? Et puis, ce sont toujours des fouets ici, mais je ne parle jamais. On reçoit des massues, on reçoit de tout ça, et tout, on reçoit tout ce qu'on peut, mais on s'affrappe, on se dit, mais on ne fouille pas. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que je ne fouille pas? Les autres, ils disent, ah, on ne peut pas résister chez vous là-bas, on s'en va. Ils disent des choses à l'extérieur, ils viennent, ils font pendant une semaine ou deux semaines, puis un mois, et puis pourquoi t'as pas, ils ne savent pas tenir. Mais pourquoi nous sommes toujours là? Il y en a de ceux que quand vous voyez venir, ah oui, lui ne va pas tenir. Mais puisque trois mois, un mois, c'est fait, c'est pas possible. Et ils sont là depuis des années. Et comment ça se fait? Vous ne savez pas l'expliquer. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas un homme qu'on peut arriver à aimer. Ça, c'est la vérité, je sais. Mais comment vous arrivez à m'aimer? C'est ça le problème. Ce sont des équations. Si ce n'est pas Dieu qui nous a mis ensemble. Alors, nous revenons dans Jacob et Ésaü. Et Ésaü qui se disait, ce bonhomme, il perd les nords. Vous savez, en parlant de cela, d'abord, je pensais, hier, j'étais assis, je pensais, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Bon, je suis un peu comme ça, vous voyez. Même quand je suis quelque part, je pense quand même. J'ai dit, Dieu d'Abraham, que tu nous aides, miséricorde, que tu nous aides. Vous savez, la sœur Mona, il habitait à Jean-Glou. Peut-être que quelques-uns parmi vous n'ont jamais été chez elle. Mais moi, j'ai été avec les frères. Nous avons été priés. C'est loin. Et cette sœur ici, pour prendre le train, il n'arrive pas à pouvoir bien prendre les trains toute seule. Et vous savez, quand on ne sait pas aller les chercher, je voulais remercier aussi mon frère Ghislain. Que Dieu le bénisse. Parce qu'il avait prévu que de son travail, il passait là-bas. Il a fait. Pour la prendre et pouvoir venir avec elle. Quand vous la voyez, en fait, s'accrocher, demander de l'aide pour qu'on puisse l'aider à pouvoir venir et aller, c'est parce qu'elle avait eu un accident. Quelqu'un lui a fait, en fait, de mettre les verres dans ses yeux. Votre sœur que vous voyez là. Elle fait des efforts pour bien voir, en fait. C'est pour ça que vous voyez, quand elle est là, quand elle a la chorale, elle fait comme ça, elle fait prendre comme ça. C'est pas qu'elle fait exprès. Mais ces yeux-là, on les a abîmés en mettant des verres à l'intérieur. On a opéré des yeux, effectivement. Ce qui veut dire qu'elle ne sait pas prendre les trains parce que. Voyez, donc elle a besoin. Alors, ayant le désir d'être ici, et c'est votre sœur Mariette qui a eu la possibilité de pouvoir entrer en contact avec elle d'une manière tout à fait surprenante. Longtemps. Et vous vous souvenez que quand elle est venue ici, elle désirait dans l'église où elle était là-bas de pouvoir être baptisée, on ne voulait pas la faire baptiser. C'est-à-dire on a baptisé là-bas au nom du Père et du Saint-Esprit, vous vous souvenez? Mais elle désirait toujours qu'il soit baptisé. On lui demandait, baptisez-moi, mais on lui refusait. Baptisez-moi, on le refusait. Puis Dieu l'a mis en contact avec votre sœur Mariette. Et quand elle est en train d'être avec votre sœur Mariette, eh ben,
Elle me l'a passé. Quand elle l'a passé, j'ai commencé à parler avec elle. Je vais revenir en écriture, hein. Mais c'est important. J'ai commencé à parler avec elle, effectivement. Et puis, je lui ai dit, mais quel est le problème? Ah, moi, je veux me faire baptiser là-bas, comme je dis, tout le monde est baptisé. J'ai vraiment les désirs pour être baptisé. Mais on me refuse chaque fois, dit, on va, on remet. J'ai dit, ah ben, dis donc, glorifie Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois baptisé du baptême trinitaire. Ah bon? J'ai dit oui. Alors je lui dresse la liste pour lui montrer dans les Saintes Écritures. Elle n'a même pas hésité. Il dit là, dans la semaine prochaine, je viens pour être baptisé. Vous l'avez vu ici. Elle a été baptisée. Oui, frère, peut-être que vous oubliez. Oui, je l'ai regardée. Elle a été baptisée. Elle m'a dit faites-moi des problèmes qu'elle avait. Et puis non seulement elle était baptisée, quand elle est venue ici, elle était tellement en flamme après être baptisée au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qu'elle a connus là-bas, qui devaient avoir, elle avait les sorciers là-bas de m'être baptisée pour Père, Fils, Saint-Esprit, il les a amenés ici. Vous avez oublié? La sœur là, qui habitait dans le comté. Vous vous souvenez encore? Bon, quelques-uns ne se souviennent pas, mais on a baptisé une sœur ici. Qui était venue par l'intermédiaire de l'Éternel. Et puis, on a baptisé aussi les messieurs. Toujours ici, dans le baptistère, sur Mouna. Et malgré les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, ils pouvaient trouver la raison, dire, bon, je ne vois pas bien, je ne vais pas prendre le train, eh bien, je vais quand même rester à la maison. Non, votre sœur Mouna, là, elle a plein de taxis. De chez elle, elle payait un taxi jusqu'ici. Et taxi aussi pour rentrer. Quand elle avait l'occasion que les frères pouvaient trouver l'occasion, enfin, merci beaucoup, frère Jonas, effectivement, aussi, il aussi faisait des tours pour le ramener aussi. Je n'ai pas oublié. Pour le ramener aussi à Jean-Blou. Mais quand vous voyez qu'elle venait parfois, elle avait des difficultés, mais elle venait quand même avec des taxis, ainsi de suite. Puis finalement, elle reste et dit, c'est pas possible. L'Assemblée est là-bas à Scarbeck. Moi, je suis Jean-Blou, comment je peux faire bon tous les jours aussi à l'Assemblée? Elle a abandonné sa maison là-bas. Je connais, c'était une grande maison, belle maison, vitrée, tout ça. Nous avons été effectivement dit, mais je veux quand même trouver un appartement tout près de l'Assemblée à Scarbec. Vous avez prié ici. Dieu a exaucé. Et Dieu lui a donné un appartement tout près de Scarbec, donc à l'Assemblée. Ce que nous voyons que Dieu fait des choses d'une manière. Quand nous regardons, on dit, oh non, 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 non. Mais observez simplement ce que Dieu fait avec les uns et les autres. Quelqu'un qui peut prendre une décision, il dit, je déménage, je quitte ici, parce que je vais être près de l'Église. C'est une grande responsabilité pour moi et pour ceux qui sont ici. C'est un sacrifice que Dieu, que la personne fait effectivement. Donc, il nous est aussi en retour avoir de l'amour. Avoir aussi de la considération, de l'attention aussi pour la personne. Donc c'est quand même nécessaire. Bon, bref, donc c'est pour que nous puissions voir effectivement que Dieu fait des choses. Et je peux rendre des témoignages de beaucoup. Nous avons frère Joris, nous avons frère, vous aimez bien, Juliard. La première fois qu'il vint, il était ici là-bas. Amen! Alléluia! J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il ne pouvait jamais venir ici. Surtout avec toutes les barrières qu'il y a là, effectivement, ainsi de suite. Mais Dieu lui a parlé. Amen. Lui a montré que ta place, c'est Scarbec. Donc il est là. On peut donner le fouet. On peut pousser dehors. Amen. On prie seulement que Dieu nous aide. C'est simplement, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais c'est simplement que vous puissiez voir de vos yeux ce que le Seigneur fait avec l'un et l'autre. Afin que vous puissiez aussi vous examiner aussi, dans chacun de vous, hein, pour voir ce que le Seigneur est en train de faire avec vous aussi. Parce que si c'est Dieu qui fait cela, alors nous savons que nous sommes dans le plan, le programme. Alors ça veut dire qu'étant là, ici, nous soutenons. Parce qu'il y en a de ceux qui sont ici, mais ils ne soutiennent rien. Ils regardent simplement comment le pasteur va faire des gaffes. Oui, mais bien sûr, on va voir, on l'observe. En quoi, avec un coin de l'œil. On fait comme ça aussi, on ne voit pas. Donc le pasteur reste toujours sous la loupe. Comment il va faire, comment il va poser les actes, comment il va ceci. Bien sûr que oui, tous mes actes sont surveillés. Mais je le sais. Je le sais, parce que bon,
vers vous, comment dire. Bref, oh oui, nous revenons. Alors là, il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Alors, vous voyez que Esaü s'est dit, mais c'est pas possible, il a un problème. Non, Jacob était certain. Parce que ce que Dieu avait annoncé, il était dans le plan que lui devienne l'aîné. Amen. Oui. Et oui. Non, Dieu est bon. Dieu est grand. Alors, il se disait, mais c'est pas possible, donc, que lui puisse devenir un aîné. Que j'ai dit, je lui vois, dis, écoute, moi j'ai faim, tu veux. Faites très attention à ce que vous dites, hein. Moi j'ai faim, avec ce que tu me dis, pour les droits d'aînesse. Bon, j'ai dit, non, dis-moi, il dit, il n'y a pas de problème, si tu demandes rien d'autre, va-moi. Le petit, c'est concerté là. Il dit, va-moi. Il dit, bon, je te les vends. Jacob, toute sa vie, il a attendu que ça. Oui, monsieur, toute sa vie. Lui, Esaü ne se rendait pas compte. Il avait quelque chose de tellement important qu'il prenait la légère. Mais Jacob guettait, oui. Vous savez, c'est Jacob-là, Dieu avait fait de lui quelqu'un d'être spécial. Hein, quand il a lutté avec l'ange. Il a dit, ah, je te lâcherai pas. Tant que tu m'as béni, il voulait la bénédiction. Il dit, oh, bénis-moi. Il dit, lâche-moi. Il dit, non. Ici, j'ai la bénédiction à toi. Oh oui, des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Amen. Non, monsieur. Ils sont déterminés. Ils disent, ça, ce que je veux, c'est ça. Toi aussi, tu dois être comme ça. Seigneur, j'ai besoin de ça, je veux cela, je le désire, Seigneur. Oh Seigneur, oui, le Seigneur, il veut voir ta persévérance dans les choses. Amen. On disait qu'il perdait son temps avec sa maman. Non, il savait ce qu'il visait. On l'a regardé, il avait visé. Et puis l'opportunité s'est présentée. S'il avait fait avant, ça n'allait pas marcher. Tu l'avais fait après, ça n'allait pas marcher. Mais au moment opportun, où Dieu avait préparé aussi les terres. Donc nous travaillons avec Dieu. Dieu travaille avec nous. C'est sûr et certain. Il faut travailler avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu. C'est écrit de Corinthiens chapitre 6. 2, 1. Et c'est cela que nous travaillons. Donc nous aussi, nous voulons travailler avec Dieu. Et alors, il balaye les terrains. C'est pour ça qu'il dit, non, ne va pas dans David. Quand tu vas entendre les pieds dans le mûrier, oui, là, maintenant, tu peux. Mais avant, ne le fais pas. Donc, Esaïe, Jacob a attendu le moment opportun. C'est extraordinaire, vraiment. En tout cas, il faut savoir que c'est vraiment Dieu qui a conduit. Il vient s'asseoir, parce que tous les jours ici, on n'a pas entendu que Jacob était allé préparer même les cabillots, les aisiers, de cela. Non, parce que ça n'allait pas marcher. Ah oui, ça n'allait pas marcher. Et même pas la viande de brousse, pas du tout. Mais Dieu a fait en sorte que ça soit des lentilles. Des lentilles. L'inspiration divine est spéciale, hein? Particulière. Et Dieu savait que ces jeunes hommes-là, quand ils viendraient de bois, n'auraient pas besoin de cabillauds, des verres de bois. Non, des lentilles, parce que ça donne l'énergie. C'est ça. Alléluia. Alors, il lui a dit, je te vends le droit d'aînesse. Quand il a dit cela, c'était terminé. Lui pensait que c'était simplement. C'est pour ça que même quand vous vous fâchez, ne dites, surtout quand vous savez que vous dites, il y en a de bon, je pense, parce qu'ici peut-être les gens ne le font pas, mais peut-être dans les contrées africaines, ils voient son enfant, toi, tu es un vaurien, tu ne réussiras jamais parce que tu es toujours comme ça. Et, ça vous dit à l'enfant, non? Eh bien, vous lui avez dit qu'il est quoi? Il ne voit rien. Il ne réussira jamais. C'est toujours comme ça. Toi, dans ta vie, tu ne vas même pas voir. Tu es toujours comme ça. Tu dis, ah, la parole que vous avez prononcée, ceux qui sont autour. Il dit, mais puisque maman dit que, ou papa dit qu'il est vaurien, eh bien, faisons en sorte qu'il en soit. Vous pouvez être dans la colère. Ne dites jamais un mot de la colère. Le diable guette autour.
Vous insultez vos enfants, vous dites jamais, jamais, jamais. Quand vous faites sortir un mot dans votre bouche là, le diable l'entend. Vous avez, c'est comme si vous avez donné le droit, bon, faites de cet enfant ce que je dis. Mais parce qu'il faut, il leur faut l'autorisation. Mais c'est vous qui donnez l'autorisation. Ben avec mon enfant ici, je veux qu'il soit un vaurien. Mais après, vous ne pouvez pas dire, Seigneur, mon fils, il est quand même comme un vaurien, change-le, change. Mais tu l'as déjà vendu. Toi-même, tu as dit. Mais ce que je vous dis, c'est vrai. Vous avez remarqué qu'avec Esaü, Esaü a dit, mais je te le vends. Il a simplement dit ça. Devant Dieu, c'était accompli. Donc, depuis ces jours-là, Esaü, là, il n'était plus l'aîné. Amen. Le droit d'aîné s'est passé d'Esaü à Jacob. Amen. À cause du plat de lentilles. Alors maintenant, c'est extraordinaire. Je ne sais pas que Dieu nous aide les trompes. Extraordinaire, frère. Dieu est merveilleux. Regardez très bien, frère, ça. Parce que les hommes peuvent dire, oh, mais tu sais, il a dit ça, ben, ça ne va pas arriver. Ça... Non, 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 non. Devant Dieu, c'est acté. Amen. Alléluia. Même si tu es le premier, tu n'as plus le droit de naître. Fini, parti, comme mon frère l'a dit, c'est vrai. Parce que regardez très bien, Jacob est rentré très heureux. Et ça, il dit, oh, je l'ai eu, mais en fait, je l'ai dit comme ça, mais il n'aura jamais... Et tout ce qui a comme bénédiction qui vient à l'aîné, ça ne viendra à moi. Dis non devant Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction, mon frère. Ces jours-là, la parole que l'aîné sera sujettie au petit, parce qu'il a vendu. Maintenant, le petit devient maintenant. Ah. Alors, regardez, tu reviens. Maintenant, Esaü dit, bon, c'est pas grave, je l'ai fait, bon, j'ai mangé mon plat de lentilles. Et puis papa lui dit, Esaü, viens. J'ai maintenant le désir de pouvoir te bénir. Le diable avait fait son plan pour faire échouer ce que Dieu avait dit. Mais déjà, ce qui venait se passer là-bas, c'était autre chose. Donc, le droit d'aîné a été vendu. Donc, le monsieur a vendu son droit. Et maintenant, le papa aussi, Dieu a travaillé. Ah, vous ne saviez pas? Oui, mais Isaac ne voyait plus très bien. Et maintenant, l'esprit réveilla maintenant la maman à laquelle la prophétie était faite. Mais bien sûr que c'est elle qui a reçu la prophétie. Rebecca toujours calme et tranquille. Ne disait rien. Il ne révéla rien à Isaac. Jacob le savait. Et voilà que, un jour, Isaac dit à son fils, Esaü, je t'aime beaucoup mon fils Esaü, va me chercher un gibier pour le coupler vraiment et prépare-les comme je l'aime là. Et puis tu viens me donner quand j'aurai mangé. C'est toujours comme ça. Vous vous souvenez? Vous qui faites les cuissons, vous êtes bien quand même, quand ton mari il est vraiment fâché. Toi, ne rentre pas aussi dans le coin. Ouais, c'est toujours comme ça, pour les rendre doux, toi, sois douce d'abord. Et puis, passe à la cuisine, fais la douce cuisine, là. Bon, vous dites, oh frère, vraiment, tu l'as, tu comme là. Mais je vais vous poser la question, à quel moment le Seigneur a donné la bénédiction à Abraham? Mais pas avant! Non! Et donc, il regarde d'abord, et il dit, Abraham, ce qu'Abraham va faire. Abraham lui dit, c'est pour ça que vous passez par ce chemin, Dieu soit béni. Il dit, asseyez-vous, je vous lave les pieds. C'est pas pour avoir levé les pieds qu'il avait les pieds. Non, il leur a donné à manger. Que Dieu vous donne la sagesse. À savoir comment faire. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui est en colère, vous avez fait vraiment une bonne viande là. Un bon steak là, avec des oignons, du chignon. Et puis avec quelques patates, avec quelques salades et tout ça là. Et vous venez avec gentiment, avec un petit cuisson comme ça. Vous allez voir qu'il est comme ça. Il va sourire un peu parce qu'il voit le plat qui est venu. Il mangera, il sera doux après. C'est vrai.
Ça, on a plus besoin. Je crois que quelques-uns le savent. Maman douée. Et comment faire d'un lion, tu le rends doux, comme un agneau, parce que tu le nourris bien. Enfin bon. Et voilà que papa dit, fais-moi ça, et puis je te bénirai. Esaü est parti maintenant pour chasser, chercher la viande pour chasser. Il est parti, il a trouvé les gibiers tout près, il ne trouvait pas de gibier tout près. Il est parti loin, là, il a marché. Dieu faisait son travail. Je prie que Dieu vous aide. Je ne sais pas comment dire, mais si vous pouviez arrêter de pouvoir murmurer. Pourquoi ceci m'arrive et ceci avoir des problèmes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes avec l'un ou l'autre. Vous êtes tellement riche. Dieu a fait de vous ce que vous êtes. Il vous a donné ce que vous êtes. Il vous a fait meilleur dans ce que vous êtes. Alors, soyez simplement excellent dans ce que vous êtes. Vous n'avez pas cherché l'excellence de l'autre. Vous avez la vôtre. Alors, excellez dans cela. C'est ça, Dieu, mon frère, ma soeur. Ah bon. Et voilà que Esaü, donc, il est parti chercher les gibiers couraient loin. Ça l'éloignait loin. Pendant ce temps-là, Dieu travaille. Rebecca vient. Mais tu vois maintenant que Isaac veut maintenant bénir Esaü. Qu'est-ce qu'il y a eux? C'est qu'il a dit à Esaü de pouvoir lui préparer un beau gibier là, qui est bien là. Il est allé. Mais toi, tu sais trouver les gibiers quand même. C'est pas loin, donc là, on l'a mis juste à côté de toi. Tu le prends. Rebecca était spéciale. Quand on est dans le plan de Dieu, on est tous spéciaux. Ton Jacob là, il a déjà acheté les droits de naissance. C'est accompli. Mais lui, Isaac ne le sait pas. Isaac attend Esaü pour pouvoir le bénir. Alors elle regarde, ah bon, c'est comme ça, dit Jacob, tu dors. Il dit, c'est toujours la maman. Hein? C'est merveilleux ça. Et Jacob n'était pas là, juste à côté de la personne qui a reçu la révélation. Alléluia! Voilà, oui. Que Dieu vous bénisse, c'est sûr. Vous ne pouvez pas aller à gauche et à droite. Hein? Non. C'est toi qui as vu. On t'a parlé de moi. Je suis là. Maman bouge, Jacob bouge aussi. Que Dieu nous aide. On doit arrêter de gabander à gauche et à droite. Que Dieu vous révèle quand même. Chose quand même pour que vous puissiez vous connaissez, vous devez avoir votre stabilité dans l'âme, parce que c'est, je crois que c'est Luc, hein, il dit j'ai fait des recherches effectivement exactes dans ces choses afin que tu puisses avoir la certitude des enseignements que tu as reçus, que tu aies cette assurance en toi. Et alors c'est elle qui dit ah Jacob, maintenant, on va aller, tu vas aller maintenant, donner, je vais préparer, tu vas voir quelque chose de bien pour aller donner à ton père. Il dit, mais maman, les problèmes sont grands. Il dit, mais maman, lui, il ne savait pas que Dieu avait fait son travail. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais maman, tu sais bien qu'Esaü, il est venu, il est poilu et tout ça. Hein, c'est grand, on savait que dans la main. Moi, je ne suis pas. J'ai toujours été avec maman. Je ne suis pas poilu, tu comprends mon problème. Parce que papa, quand il va passer la main, il va sentir, mais non, c'est bizarre, tu as une peau douce. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Oui, il n'était pas bête. Hein? Alors, et puis bon, papa aussi, tu sais, il va sentir l'odeur quand même. Moi, je suis l'odeur de l'enfant qui reste avec maman. Lui, il est toujours dans les fermes, dans les gibiers, tout ça, il sent l'odeur des animaux.
qu'est-ce qu'on doit faire pour quand même que papa ne puisse pas me maudire, parce que s'il va trouver ça la super chérie, ça va être grave. C'est comme ça, hein? Alors la maman toujours qui a eu la révélation. Il dit, fils, ne t'inquiète pas, moi, ta maman, je vais prendre tout en charge, il n'y a pas de problème. Un, on prépare d'abord la viande. Deux. Non, la maman était terrible. Il dit, je vais te revêtir de quoi? De la peau d'une bête. Et comme ça, tu sentiras. Et en même temps, la bête. Et oui, et en même temps aussi, tu seras venu. Dieu est grand. Vous vous rendez compte qu'effectivement, qu'il faisait cela pour tromper? Mais c'est dans la Bible. Vraiment, regardez comme ça, ceci, c'est dans la Bible. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelait trompeur. Il ne faut pas dire qu'il nous a dit quelque chose qui n'est pas. C'est là, vous me dites, mon pasteur, il me dit, non, non, non. C'est bien écrit cela qu'ils ont trompé, effectivement, aussi Isaac. Dieu, regardez. Eh bien, c'était dans les plans de Dieu. Dans les plans de Dieu. Vous voyez. On ne peut pas enfermer Dieu dans une bouteille. Il est vraiment Dieu. On lui doit du respect, de la crainte, et de l'honneur, et tout cela aussi. Et c'est comme ça qu'on a revêtu. Et puis, Jacob qui avance. Il a fait le travail que le papa est devenu. Parce que si il le voyait. Ah non, frère. Et la maman, elle est petite. Bien sûr. Ah oui. Vous savez, ne limitez pas les seigneurs, frère. Oui, c'est important que vous compreniez. Ne limitez pas Dieu. Dieu a sa façon de faire les choses. Quand il a dit les choses, il sait comment faire. Laissez-le faire le travail. Et c'est comme cela que quand Jacob arrive avec les plats, tout ça, papa sent que c'est bon. Il dit, c'était mon fils, Esaü. Mais ça a été vite pour prendre les gibiers et puis les préparer. Il dit, oui, papa, c'est un ami. Il dit, cette voix-là, est-ce-toi vraiment mon fils Esaü? Parce qu'il aimait beaucoup Esaü. Hein? Est-ce-toi vraiment mon fils Esaü? Il dit, oui, papa. Ils vont chercher la voix, mais bon, c'était un peu dit, ah, il dit, mais c'est bizarre ça. Papa commence, Dieu a fermé l'œil. Mais il fallait quand même que les yeux soient, les oreilles soient ouvertes quand même pour entendre. Sinon, hein, sinon ça allait, parce que ça allait être difficile. Et puis maintenant, quand il dit, mais ah, approche un peu, parce qu'il est intelligent, Isaac. Hein? Il dit, approche un peu, mon fils. Jacob tend les bras. Il approche comme ça, oui, oui. Et papa, maintenant, il commence, parce que Jacob monte la partie où on a mis la peau de la bête, non? Ah, mais parce qu'il n'allait pas monter l'autre partie. Il approche la partie où la bête là. Alors, papa ici, il dit, ah, quand je touche, ah, c'est la peau des aïeux. Mais la voix. Non, Jacob, non, 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 non. Dieu soit béni. Pour le droit d'aînesse. Il pouvait faire tout, mon frère. Donc toi, c'est vrai, frère, oui. C'est dans la Bible. Là. Oui. Vous savez, c'était important et Dieu l'avait dit. Amen. Amen. Il dit, ah, approche, mon fils, c'est ça. L'odeur, c'est des aïeux. Mais la voix, je sens, non, papa, c'est ma fille. Mais la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais bon, les aïeux, mon fils, tu as quand même dit, j'ai bien dit, oui, papa. Papa avait les doutes sur la voix, mais il ne pouvait pas garder son doute parce qu'il a senti l'odeur. Il a vu les poils que son fils. Non, en tout cas, quelle ingéniosité.
Que Dieu bénisse Rebecca. Amen. Ah oui, frère et sœur, oui, oui, oui. Elle était bénie d'ailleurs. Amen. Que Dieu la bénisse. Pensez comme ça. Il fallait que quelque chose d'autre soit là. Pas possible. Et Dieu était vraiment à l'œuvre. Il a senti donc l'odeur. Oui, je sais que parfois vous hésitez, mais c'est dans la Bible. C'est écrit, c'est vraiment c'est comme cela que Rebecca a fait. C'était dans les plans de Dieu. Mais j'ai béni Dieu pour sa sagesse. Et alors, voilà, parce que frère et sœur, Esaü avait vendu son droit d'aînesse. Et Dieu ne pouvait pas accepter que la bénédiction du droit d'aînesse tombe sur quelqu'un qui a vendu. Et dont lui-même avait dit, j'ai de la haine pour Esaü. J'ai aimé donc. Alors, on voit vraiment que c'est merveilleux de pouvoir marcher avec Dieu. Mm-hmm. Et alors, quand le papa a senti l'odeur, il dit, viens mon fils, je vais donc te bénir. Parce que d'abord, il a mangé son plat. Il trouvait que c'était bon. Parce que la maman connaissait la cuisine. Oh, et puis, oh là, il connaissait aussi son mari. Je pense bien. Et là, il dit vraiment aussi, Jacob, son fils. Je vous l'ai dit encore tout à l'heure, parce que la révélation lui a été donnée. Donc, il était donc dans les plans de Dieu. Et tout ce qu'elle a fait, c'était dans les plans. Bien sûr que oui. Et c'est comme cela que... Ah, parce que pour bénir quelqu'un, en fait, que la bénédiction demeure, il faut que tu sois bien à ton intérieur. Que cette personne t'ait fait du bien. Que tu puisses aimer la personne. Alors quand tu vas prier, tu pries avec beaucoup d'amour. Ah ben oui, tu veux vraiment que la bénédiction lui revienne. Est-ce que vous comprenez? Eh ben, il dit maintenant, comme j'ai mangé, approche-toi. Je vais maintenant prier pour toi. Toutes les bénédictions qu'il avait dans son cœur. Oh, que la rosée, que tu sois comme la rosée du matin. Il dit que tout appartienne, que tes frères, toi, tes esclaves. Et pas dire, non, donc Jacob, donc Esaü devient esclave de Jacob. Vous l'avez déjà lu? Oui. Vous voulez peut-être que... Oui. Ok, alors, nous allons voir cela, c'est dans, je pense que je n'ai ou quelque chose comme ça, 58, ou tu ne sais, je ne sais pas que nous sentions. Ah, ici, c'est un divin. Nous allons devoir voir que nous allons le trouver. Voilà, nous allons voir exactement. Voilà. Et nous allons peut-être voir ça. On va regarder nous. C'est dans le 25. 27, chapitre 27. J'ai déjà 27 ans. J'ai déjà 47 ans. Bon. Ici, je dois commencer à lire long. Si vous voulez, on peut lire. Hein. Lire là, depuis les débuts jusque-là, ou bien on peut lire seulement la bénédiction. Les débuts? Oui. Oh, ah bah, je vais lire vite alors. Sur verset 1, chapitre 27, verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient donc affaiblis. Mais c'est ça, oui. Et qu'il ne voyait plus. Alors il appela donc Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. Apporte-moi du gibier et apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que j'aime, que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Hein?
va maintenant prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mec comme il est. Vous avez compris ça? C'est la maman, hein, qui prend maintenant. C'est à elle que Dieu avait donné la révélation. Vous vous souvenez? Ah, il dit comme il l'aime. Et tu le porteras à manger. Tu porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob remondit à sa mère, mais voici Esaü, mon frère, est venu. Et je n'ai point de poils. Ah ben oui. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Vous vous souvenez, nous en avons parlé. Hein? Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur qui? Qu'est-ce qu'elle était déterminée? Vraiment, vraiment, vraiment. Ah là 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 là. Écoute seulement ma voix et va les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qu'il fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Esaü, son fils aîné, le plus beau, qui s'est trouvé à la maison. Elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Vous voyez, non? Ah oui, parce que... Alors, il prend la peau de chevreau. Et puis, elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint donc vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Mais voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils ?» Et Jacob répondit, « Mais c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » C'est extraordinaire, hein? Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » Et il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Et il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Alors Isaac dit, écoute bien, serre-moi, il est intelligent aussi, hein. Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea et lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit quoi? L'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, ah oui, il était intelligent. Quand il dit, ah, viens, approche-toi, embrasse-moi, c'était pour qu'il sente l'odeur. Maintenant, il dit, écoutez bien, il bénit, il dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc il commence à pouvoir bénir. Maintenant, il pense qu'il bénit Esaü, mais il bénit donc Jacob. Il dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que de peuples te soient soumis et que des nations se possèdent devant toi. Sois le maître de tes... Oui. Et que les filles de ta mère se possèdent devant toi. Maudit soit quiconque tes mots. Et béni soit quiconque t'est. Et vous entendez que c'est comme la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ainsi. À peine donc, Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaü son frère revint de la chasse. Maintenant écoutez la conversation. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, mais qui es-tu? Et il répondit, mais je suis ton fils aîné, Esaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? Je mangeais de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi, comme je l'ai béni, écoutez bien, aussi comme je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Donc je ne peux pas révoquer ma bénédiction.
Maintenant, écoutez bien. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Écoutez son père qui dit, « Isaac, Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse. Et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Mais est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté deux fois ?» Attendez maintenant, il dit, « Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, parce qu'il l'a vendu. » Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Vous comprenez? Et Isaac répondit, il dit à Ésaü, voici, je l'ai établi, ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ah oui, oui, oui. Donc, ce que Dieu avait eu à pouvoir dire, cela s'est accompli. Et parfaitement et 100%. Parce que l'homme a eu à pouvoir vendre son droit d'aînesse, effectivement. Et voyez-vous, mais quand elle a eu à pouvoir se repentir, commencer à avoir pleuré, ce n'était plus possible. Donc on ne pouvait même plus, parce qu'il dit, mais le père ne veut même plus, on dit, mais qu'est-ce que je peux encore dire? Je n'ai plus rien à réserve. Voyez-vous pourquoi Dieu avait voulu qu'évidemment que Jacob soit béni? Parce qu'il a eu à pouvoir dire, l'aîné, il avait dit, hein, l'aîné sera assujetti au petit. Donc, parce que la bénédiction que le Père allait donner de tout son cœur, parce qu'il dit que mon âme, quand il dit mon âme, c'est tout ce qu'il est en fait. Donc, c'est quand il avait béni et prié comme ça, sa bénédiction allait demeurer. Et lui-même, il était conscient qu'il ne pouvait même pas, qu'est-ce que j'ai encore te donner droit. Donc, il dit, voici, je l'établis en fait, qu'il soit donc ton maître à toi. Donc, c'est terminé. Entendez. Donc, c'est ce que Dieu avait eu à pouvoir faire et dire, effectivement. Et cela nous ramène, effectivement, il est en face, à ce que nous avons lu dans le livre de Romains, au chapitre 9. Donc, avant même que les deux enfants aient eu bien ou mal, effectivement, mais le Seigneur a déclaré, donc, j'ai aimé Jacob, j'ai eu donc Ésaü. Donc, effectivement, comme il dit bien, en fait, que les desseins d'élection subsistent sans dépendre des œuvres, effectivement, c'est que Dieu connaissait vraiment, il voit d'avance, effectivement, comment les choses allaient donc se passer. Donc, effectivement, donc, il a fait donc, effectivement, son choix. Et qu'il savait, effectivement, que celui-ci, si je le choisis, il sera comme ça, il sera comme ça. C'est-à-dire que Dieu, il est le maître de toutes les circonstances. Nous avons lu cela, effectivement, pour que vous puissiez voir que quand Dieu a dit quelque chose de quelqu'un, le diable pourra tout faire. Il pourra faire en sorte que ceci ne puisse pas se passer, arriver, effectivement. Mais l'homme doit rester persévérant. Toi, tu dois savoir que Dieu, quand il t'a choisi, toi, il sait ce qu'il a fait. Et les diables, les événements, il va les faire, effectivement, pour pouvoir décourager, pour faire ceci. C'était pas par hasard que Dieu a eu à pouvoir faire la promesse à Abraham. En disant à Abraham, effectivement, que Sarah, ta femme, t'aura un fils. Et Abraham a cru cela. Mais Dieu savait, effectivement, qu'il avait vu de loin, effectivement. Regardez, les diables a fait les circonstances, que le corps usé, tout ceci, donc l'âge. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans l'intérieur d'Abraham, il ne voyait pas ces choses-là. Il a eu donc la victoire parce que Dieu lui a dit que en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Comme Dieu lui avait dit, il savait. Et il était sûr et certain que ça allait s'accomplir. Même qu'il allait mourir, Dieu allait ressusciter pour que la promesse s'accomplisse. Donc toi aussi, mon frère. Toi aussi, ma soeur. Ne sois pas comme les autres. Ils tremblent pour ce qu'il y a pas, mais toi, tu ne dois pas trembler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Le problème, c'est la foi, ce que Dieu t'a dit. Regardez avec Jacob, mon frère et ma soeur. Les diables a tout fait, par-ci, par-là, même prendre le père, il va bénir. Dieu a fait quelque chose de tout à fait particulier pour que sa parole puisse s'accomplir. Dieu le fera aussi pareil avec toi. Mais le problème, c'est que tu viens comme un touriste ici. Tu es toujours touriste. Tu viens, tu chantes, Alléluia, Amen, Amen. Et puis bon, quand la parole est sortie, c'était que tu dormais, ou tu pensais, peut-être je ne sais pas moi quoi, et quand tu sors de la dans cet endroit-ci, mais tu vas toujours réagir la même chose devant le même problème. Alors que pendant que tu es là, Dieu te montre effectivement comment sortir ces problèmes-là. Oh, moi on me déteste toujours, moi on ne m'aime pas toujours, mais Dieu t'a montré qu'effectivement, quand on te déteste,
qu'on ne t'aime pas toujours, mais moi je t'aime. Et toi, comme tu es à moi, agis comme je vais agir pour toi, tu auras la victoire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, que tu dois t'arrêter de plaindre. Que moi je vais à l'assemblée, personne ne fait attention à moi. Non, monsieur, non, madame. Tu n'as pas besoin qu'on fasse attention de toi. Dieu ne t'a pas envoyé pour être une star ici. Non. Non, monsieur. Non, madame. Dieu t'a envoyé pour être une lumière. Alors la lumière ne se plaît pas. Elle aimait la lumière partout où elle est, frère. Non, c'est moi la lumière. Ils sont les ténèbres, mais j'aimais la lumière. Alors, frère, pourquoi tu te plains, ma soeur? Vous êtes la lumière du monde. Alors excellez dans la lumière. Parce qu'ils vont voir vos bonnes œuvres et ils glorifieront les maîtres. Alors c'est dit que maintenant, Dieu d'aujourd'hui, que Dieu nous aide. Toi, mon frère, toi, ma soeur, excelle dans ce que Dieu t'a donné, dans ce que Dieu a fait de toi. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir qu'un fils de Dieu, c'est comme cela. Alors, c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Donc, nous comprenons que, effectivement, que ce que Dieu a ailleurs à pouvoir dire et proclamer d'avance n'échouera. C'est pour ça que, si vous prêtez bien attention, quand vous venez ici, j'ai toujours dit une chose ici, l'élection n'échouera jamais. Et ça, je le répète encore, que l'élection ne pourra jamais voilà. Parce que tu as été élu pour vaincre toutes ces choses-là. Pour que Dieu manifeste que tu es son élu à toi. Donc, tous ces événements. Vous ne voyez pas, frère, comment Dieu prend soin. Nous devons peut-être continuer la semaine. Vous ne voyez pas comment Dieu prend soin. Il ne prend soin pas de tout le monde. Non. Vous priez pas, lui, il prend pas soin de tout le monde, non. Il prend soin de ceux qui sont à lui. Oui, monsieur, oui, madame. Nous le disons, les étages de l'église. Docteur, vous pouvez nous envoyer, c'est vrai, je voudrais le voir pour qu'il puisse quand même voir encore. Mon grand, ça fonctionne ça encore? Oui. Non, frère Jonas, ça fonctionne. Mon grand, ça fonctionne pas. C'est pas grave, je vais peut-être faire avec mon doigt, je pense. C'était plus facile que je le fasse avec celui-ci. Mais c'est pas grave. Changera bien de pile. C'est pas compliqué, vous allez quand même voir. Hein. Bon, si ce sont des piles qui sont là. Alors vous remarquerez très bien que dans la projection que nous avons ici, que nous avons déjà vue, frère Jonas, si tu pouvais. Bon, si tu peux trouver des piles comme ça. S'il y en a, ça va. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Il ne faut pas rester trop loin pour que tu ne manques pas quand même. Que tu vois aussi. Regarde un peu autour. S'il n'y a pas, tu reviens vite. Tu peux projeter. Merci. Alors, vous voyez derrière moi? Oui. Vraiment, vraiment? Oui. OK. Vous voyez ici, non? Tous vous voyez ou pas? Amen. Sœur, est-ce que tu vois? OK. C'est important de voir. Ah, il m'a trouvé quand même. Alors ici, c'est comme ça aussi. Voilà. Pendant qu'il est fait, je vais quand même montrer. Vous voyez ici? Hein? Ah, vous ne voyez pas? Oh là là. Si je me mets comme ça, je me mets là. Encore? OK. Fallait dire, hein? Alors, vous voyez? Je ne vais pas m'enfoncer dans le mur. Hein. Ça va être compliqué quand même. Bon, alors là, comme ça. Hein? Ici? Maintenant, vous voyez? Derrière moi? Non, vous voyez vraiment? Comment vous voyez? Ah, quand je me mets ici, c'est bon ou pas? Vous voyez? Peut-être je me mets là. Hein. C'est bon? Comme ça, je fais comme ça? Ok, ça ne fonctionne pas. Bon, pas grave. Alors, vous voyez l'âge d'Éphèse. Vous voyez l'âge de Smyrne. Vous voyez l'âge de Pergame. Vous voyez l'âge de Thyatire. Vous voyez l'âge de Sardes, Philadelphie.
Et puis vous voyez quoi? L'Odyssée. Alors qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tout ceci, c'est le noir. Les ténèbres. Et vous savez ce que c'est que les ténèbres? Bon, je vais vous l'expliquer. Vous, vous êtes quoi? Voilà. Et les autres sont quoi? Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est ça que j'ai dit, que Dieu ne prend pas soin de tout le monde. Dieu s'occupe. Alors, quand vous avez vu tout ça, hein, vous avez vu comment ça se passait, vous voyez quand même, hein, nous avons vu les quatre êtres vivants. Ils avaient quatre faces. Quand le diable ici changeait les cavaliers, le cavalier changeait effectivement ici. Vous connaissez les dents? Alors, prenez les couleurs que vous savez. La face de lion, vous vous souvenez? Était pour qui? Pour les gens des ténèbres ou bien pour les gens de la lumière? Vous suivez? Donc c'était pour ceux qui sont dans la lumière. Donc Dieu veille et prend soin de ceux qui sont là. Jamais de ceux qui sont là. Est-ce que vous suivez? Tout au long de ce que vous voyez, la couche qui est aussi blanche que vous voyez là, ce sont de ceux-là seulement, dans chaque âge, que Dieu se préoccupe. Le Dieu du ciel ici. Il a créé tout le monde, mais il ne s'occupe pas de tout le monde, mais il s'occupe simplement de là. Et les vainqueurs ne sont pas ceux qui sont ici, les vainqueurs, ce sont ceux qui sont là. Alors, ça veut dire que toi et moi, nous sommes obligés d'être. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, je crois que l'autre fois, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas la plupart du temps. Je l'ai dit. Peu importe la force que peut avoir. Que Dieu te bénisse. Peu importe la force qu'il peut déployer. C'est pour ça, n'ayez pas peur, frère. Ne tremblez pas quand il prête des mesures. Ne tremblez pas, frère. On peut le dire. Ne tremblez pas pour l'amour de Dieu. Pour vous qui croyez. Ne tremblez pas au que je vais devenir. Parce que tu vas devenir ce que ton Dieu à toi a dit de toi. Personne ne peut changer ce que Dieu a décidé de toi. Vous l'avez vu avec Esaü et Jacob. Alors ne vous plaignez pas. Ne soyez pas comme des gens. Parce qu'il faut être toujours quelqu'un qui a la foi. Et c'est ta foi, toi, qui va triompher de tout ce qu'on peut prendre comme mesure à gauche et à droite. Parce que Dieu te fera passer au-dessus. Oui, monsieur. Oui, madame. Pour autant, quand il y a, mais pasteur, je sais que parfois vous hésitez de pouvoir croire. Mais pour autant que tu sois comme les trois Hébreux croyants, les mesures étaient chauffantes, les mesures étaient brûlantes, les mesures étaient pas possibles d'échapper. Mais ils ont eu la confiance dans leur Dieu. Et ces dieux-là les a placés au-dessus, même s'ils étaient dans la fournaise, des situations de problèmes, mais ils n'ont pas été touchés. Alléluia! Ah, frère, nous perdons notre emploi de ces six-là. N'est-ce pas que c'est Dieu qui donne l'emploi? Est-ce que vous comprenez? C'est non, frère, je ne sais pas, mais vous êtes des fils de Dieu. Vous devez combattre comme un fils de Dieu. Vous devez savoir effectivement si vous l'êtes ou pas. Et que si vous l'êtes, jamais, jamais, même dans la diversité, Dieu ne pourra vous abandonner. La pression peut être forte, effectivement. Il te dit à toi, lève-toi, sois éclairé. Même la difficulté, ta lumière à toi, elle est là. Ah oui, on fait comme ça, oui, 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 mais vous ne croyez pas. C'est ça, mais c'est la vérité. Donc, jamais les ténèbres ne pourront couvrir tout ça. Les diables peuvent se déchaîner avec tout ça. On va, oui. Pour eux, ça va être pire. Mais pour vous, c'est meilleur. Oui, monsieur, oui, madame, pourquoi? Parce que plus la pression vient, plus tu te purifies. Amen. 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 On passe de décourager, par contre, non. À ce moment-là, tes genoux deviennent maintenant un exercice quotidien. Amen. Plus tu es fort dans les domaines spirituels, plus tu domines les gens. Amen. L'arme...
que le diable utilise toujours, c'est la peur. Et vous avez tous peur. Bon, je vais vous dire une chose. Regardez comment on ne crie pas. On a fait tellement de pression aux disciples, des hommes comme vous et moi. Vous a empêché de pouvoir faire ce que Dieu voulait qu'ils puissent faire. On les a même enfermés dans la prison. Je voulais lui dire. Vous me suivez? Je vais m'arrêter. 14h, bon, vraiment, vous arrêtez. Bon, continuera la semaine prochaine. Mais écoutez-moi d'abord avant de pouvoir aller manger. On les a enfermés entre le squad. Hein. Garde ici, garde ici, garde au pied, garde là-bas au pied aussi. Hein, vous comprenez cela? Prison bien fermée, garde devant, garde derrière. Oui, dans la foudaise de l'adversité. Humainement parlant, le diable a dit ici, je veux vous bloquer pour que vous ne puissiez même pas servir votre Dieu. Parce qu'on les a enfermés, donc soldats ici, soldats, c'est le gouvernement, hein? Soldats ici, soldats là, soldats au pied, porte effectivement verrouillée, 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 soldats devant, et puis là derrière, à gauche, à droite, soldats à l'intérieur de la prison. Mais leur intérieur, ils n'avaient pas peur de ce qu'on leur a fait, puisque de toute façon, quand on leur avait interdit de pouvoir prêcher, c'est pour ça qu'ils sont partis, effectivement, vraiment. Ils sont, donc, et puis on les a arrêtés pour les mettre dedans, effectivement, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Contre toute attente, c'est que l'homme ne pouvait même pas imaginer. Je pense que même dans leur imagination, c'était la chose qui ne voulait pas monter dans leur cœur, imaginer. Mais ils avaient confiance que le Seigneur les délivrerait. Même dans l'impossibilité, il allait faire quand même quelque chose, quelque part. C'est là ta force à toi, d'avoir confiance même s'il n'y a pas d'issue. Alléluia! Bien sûr, tu as possédé d'Abraham. On a dit d'Abraham, espérant contre tout, espérance. C'est dans ce sens-là qu'ils sont restés en prison. Mais puisqu'ils avaient foi en leur Dieu, et qu'ils étaient appelés à pouvoir servir leur Dieu, c'était comme un rêve pour eux déjà. Ils ont vu seulement un ange qui vient, qui les dit, levez-vous. Nous sommes entre les quatre squadés. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. L'ange vous dit, et il me dit, levez-vous. Mais les hommes s'élèvent. Un homme comme toi et moi, il s'élève, et puis il leur dit, allez sortir, allez dans les temps, publier cette bonne nouvelle. Amen. Lisez, dis, publier la bonne nouvelle. Amen. Mais c'est écrit, mais c'est vrai. Et puis maintenant, et Pierre, et il commence à marcher. Et ils sont sortis, ils sont dehors. Et ils sont partis au temple. Ils commencent à prêcher la parole de Dieu. Et les bouts sont arrivés au Sanhédrin. Ils disent, mais les gens qui vous avaient enfermés, ils sont là-bas prêchés. Ils disent, non, 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 impossible. Ils disent, mais là-bas au temple, ils parlent de leur Jésus. Donc vous avez interdit ici. Il dit quoi? Il dit non. Il dit, bah, il dit, mais ils sont en prison. Il dit, mais non, ils sont là-bas. Il dit, on va vous dire, allez, on va vous prouver. Il dit, mais on va envoyer des gens de la prison. Ils sont partis. Frères et sœurs, devant la porte de la prison, les soldats étaient là. La porte, bien verrouillée, hein, bien verrouillée. Et à l'intérieur, les soldats étaient là. Mais regardez la place, pas de personne. Pierre n'était pas là. Et ils sont venus, mais où sont-ils partis? Nous les avons enfermés ici. Il dit, nous sommes pas. Il dit, nous étions là. Mais comment ça se fait qu'ils sont. Il dit, mais les chaînes sont là. Mais où sont-ils effectivement? Ils sont dans les temples en train de prêcher. Mon frère et ma soeur, Dieu fait l'impossible. Ils ont traversé les murs. Vous ne croyez pas, mais c'est la vérité, frère. Ils ont traversé le mur avec un fils de Dieu. L'impossible n'existe pas. Alléluia. Dieu est vivant, monsieur. Lève-nous, frère. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci pour cette grâce et ce privilège que tu as daigné nous accorder, Père Dieu, d'être un peuple qui t'appartient. Aujourd'hui encore, Père Dieu,
Que tu puisses nous aider encore davantage, mon roi, que ton peuple soit vraiment reconnaissant, mon sauveur, pour ce que toi tu as fait, mon béni, mon père. Mon âme te loue et t'exalte, toujours, béni, mon père, Saint Dieu, tu es vraiment le Dieu fidèle, mon béni, mon père, Saint Dieu. Il n'y aura jamais, il ne pourra jamais avoir de Dieu semblable à toi, Père, oh Dieu. Oh Dieu, les dieux des nations sont, oh Père, tu me sens des pierres, Père, tu me sens, oh Dieu, ils n'ont pas des yeux, mon père, tu me sens, oh Dieu, ils n'ont pas d'oreilles, ils n'entendent pas, mon béni, mon père, tu me sens, mais notre Dieu, notre Seigneur Jésus, tu es vivant et parfaitement vrai. Louange et honneur à toi. Oh Dieu d'Israël, notre Seigneur et Sauveur. Toi, notre Seigneur et notre Dieu. Oh Dieu du Missant, agis davantage. Que la foi, mesdames et pas du Missant de ton peuple, puisse davantage être manifestée, Père au Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Réveille ce peuple qui est à toi, mesdames et Père au Dieu. Et qui soit dans l'étangible, mesdames et pas du Missant. De l'inertie, mesdames et Père au Dieu. Que la foi soit là comme tu l'avais, mesdames et pas du Missant, Dieu. Pierre avait la foi. Le domaine de la foi, Père du Missant, Dieu. Nous sommes heureux, mon béni, mon Père. Merci, mon sauveur. Ce ne sont pas des histoires, mon roi. Tu as vraiment ouvert la mer rouge, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Et tu as fait sortir effectivement Pierre de la prison. Où il était, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Que ton peuple prenne courage parce que la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oh, les projets que tu as formés pour vous sont toujours des bonheurs et des joies, béni, mon Père Saint-Dieu. Jamais de malheur, mon béni, mon Père Dieu. Mais que ton peuple soit fortifié, qu'il prenne courage, mon béni, mon Père Tubissant. Parce que c'est un peuple de vainqueurs, mon béni, mon Père Tubissant. Et qu'il a la victoire, mon béni, mon Seigneur. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les démons, contre l'esprit méchant, mon Père Dieu. Oh, Dieu, sois béni, Père Dieu. C'est vrai, Père Tubissant, Dieu. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu as fait avec Jacob, mon roi. Merci parce que tu es vraiment le Dieu qui a démontré que ce que tu as dit. Oh, Satan ne peut pas arriver à pouvoir te faire le contraire. Mais ce que tu as dit, Père Tubissant, Dieu, cela arrivera certainement, Père. Alléluia. Oh, nous sommes heureux, Père Saint-Dieu. Tu as dit, détruisez ce temple, je ne rebâtirai en trois jours. Merci. Tendre Père et précieux Sauveur, nous sommes à toi et nous sommes heureux, mon béni. Nous nous réjouissons de tes grandes compassions, Seigneur, oh Dieu. Toi, tu es le Dieu qui s'occupe véritablement de nous, Père, oh Dieu. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière à toi arrive, mon béni, mon Père, merci. Merci, Sauveur. Nous voulons demeurer dans la lumière, mon béni, mon Père Saint-Dieu, pour que ce peuple soit vraiment dans la joie et puisse réellement être délivré, Père, et libéré, Père du Saint-Dieu. Mon âme te loue et te glorifie. Merci. 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 Ah oh, oui. Merci. Merci. Gloire à toi. Honneur à toi. Tu es merveilleux, Père. Nous nous réjouissons de tes grandes compassions. Nous avons besoin de toi, mon Sauveur. Merci. Oh. Merci. Je te remercie. Je te loue. Et je te rends grâce. Mon âme te loue et te glorifie et t'exaltera. Et t'exaltera encore, mon béni, mon Père, Tout-Puissant, mon Dieu. Merci pour ce que tu es. Merci pour ton amour et ta grâce et ta bonté, mon béni, mon Père, Saint Dieu. Nous sommes un peuple fort et puissant, mon béni, mon Père, oh Dieu. Et nous croyons en toi, mon béni, mon Père, oh Dieu. Et nous t'aimons, mon béni, mon Père, Tout-Puissant, parce que tu as fait de nous, Père Saint-Dieu, des vainqueurs, mon roi, mon Jésus, à moi, merci. Merci, Père, parce que tu es le commandant-chef, Seigneur. Sois glorifié. Tu as remporté la victoire. Tu as remporté la bataille. Tu as remporté tout, mon béni, mon Père. Alléluia. Tu as dit, j'ai vaincu le monde. Merci, ça va. Le monde a été vaincu, mon roi. Oh, le Père de ce monde a été vaincu aussi, Père.
Gloire, gloire à toi, mon bénévole frère. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour la délivrance, mon Père, du puissant Dieu. Que l'incrédulité soit ôté de loin, mon Père, oh Dieu. Et que ton peuple ait la foi de croire véritablement en toi, mon Père, oh Dieu. Et que la peur aussi soit ôté. Au nom de Jésus, mon Père, sous ton pied. Que ton nom soit béni, exalté encore davantage. Nous t'aimons, nous te désirons, Maître béni, Père, oh Dieu. Viens éclairer davantage, mon bénévole Père, du puissant Dieu. Oh, gloire à toi. Honneur à toi, Père. Merci, merci. Alléluia. Merci, ô Maître béni. Fortifie. Oh, soutiens, mon Seigneur. Merci. 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 Merci, ô Jésus. Nous chanterons les chants de Zion pour ta gloire. Pardonne, soutiens. Merci, merci. Merci. Oui. Merci, merci. Je te souhaite. Merci. Alléluia. Gloire à toi et mon sauveur. Merci. 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 Pardonne, mon sauveur. Merci. Pardonne. 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 Merci. Oh, merci. Merci. Gloire à toi. Pardonne, aide-nous. Merci. Merci, Seigneur. Oui, Père. Merci. Nous te remercions. Oui, merci. 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 Sois béni. Sois béni. Merci. Oui. Merci. Merci. Sois béni. Sois. Je t'en supplie. Oh, à cause de toi, pour la gloire de ton Seigneur, nous demandons grâce et miséricorde. Pardonne, pardonne, soutiens. Merci, merci. Te croyons. Oh, Jésus Christ, pardon. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Je m'incline devant toi, ange de ta merci, sois béni. Tu es vraiment vivant, sois. Pardonne, soutiens-moi. Donne la force à ton peuple, mon sauveur. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais encore pour nos frères. Nous avons la crainte et le respect. Oh, Jésus, nous sommes vraiment ton peuple, mon sauveur. Merci. Pardonne, soutiens, fortifie. Oui, merci. Merci, sauveur. Merci. Merci, oh Dieu. Merci. Gloire à toi. Merci. 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 Gloire à toi.
Mon âme te loue et t'exalte, Père. Oh, je t'aime, mon Jésus d'amour, sauveur béni. Tu es vraiment la sagesse même. Je t'en supplie, aide-nous encore à tenir. Mon Dieu, je te demande grâce et pardon, mon sauveur. Aide-nous, Père. Nous voulons tenir encore à tes pieds et te servir encore, Père. Merci, sauveur. Merci, mon roi. Merci, mon maître. Merci. Oh, Jésus-Christ. Merci. Béni sois-tu. Je te demande grâce pour ton peuple, mon bien-aimé Père, qu'il soit protégé, qu'il soit fort. Peu importe ce que le monde peut prendre des décisions, peu importe ce que le monde peut penser, nous ne nous soumettons qu'à toi seul. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Oh oui, Père. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, mon Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, mon roi. Tu es le guérisseur, mon Dieu. Je t'aime, mon Jésus. Je t'adore, mon Seigneur. Je t'exalterai toute ma vie entière. Louange et honneur à toi. Bénis tes enfants. Souviens-toi de ceux qui sont à toi partout où ils sont, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que ta bénédiction et ta grâce ne soient accordées. Souviens-toi de ma soeur Rebecca Bogui, c'est vrai, Père, que tu la bénisses richement aussi, mon sauveur. Souviens-toi de ma soeur Jacqueline Moreda aussi, mon sauveur. Tu connais, je t'en supplie pour ma précieuse soeur et ses enfants, que tu les gardes, mon sauveur. Je te demande grâce pour eux. Je te demande grâce, mon sauveur. Ton nom soit béni, que tu la soutiennes là-bas, l'île de la Réunion. Oh Jésus-Christ, mon roi, je t'implore la grâce, mon Père. Bénis mes frères et sœurs, là-bas en Espagne, en Afrique, Père de Bissant, Dieu. En Asie, c'est vrai, en France, partout, là où ils sont, Père Saint-Dieu, que tu sois béni et glorifié encore aujourd'hui. Merci, Père, merci pour ce que tu es, merci pour ton amour à notre endroit. Merci pour ta puissance, mon Père Saint-Dieu, qui transforme les âmes, mon bien-aimé Père Dieu. Merci pour ce que tu es pour chacun de nos pères. Tu es notre espérance, tu es notre salut, tu es tout pour nos pères. Oh, l'amour dans notre cœur grandit de plus en plus à ton endroit, Père Saint. Nous le voulons davantage, nous voulons t'aimer plus que notre propre vie, Seigneur. Que tu sois le maître, le premier en tout, Père Dieu. Oh, c'est lui qui a la première place, mon bien-aimé Père. Tu le mérites, Père Dieu, pour ce que tu as fait, ce que tu fais encore parmi ton peuple, mon roi. Tu nous mets à l'arche, Père de puissance, Dieu, et tu nous conduis encore davantage et tu nous préserves de tout mal. Béni soit ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Amen. Sois béni, notre Dieu. Merci, Père. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Vainqueur, vainqueur persécuté. Tout notre espoir se fonde.
sera pas.